Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir et merci pour cette belle mobilisation. Donc, cette soirée, elle a pour but de nous renseigner davantage sur les ressources d'intégration disponibles à Ottawa pour nous permettre de mieux accompagner nos parents immigrants dans notre communauté. Donc, je veux aussi profiter de cette occasion pour vous dire officiellement que grâce à Ottawa Bilingue, PPE, en collaboration avec la coopérative d'enseignants PAAPA et le Centre Vanier, ont mis en place deux comités de parents bénévoles et associés au conseil scolaire du CPO et du CECCE. Donc, il s'agit d'un projet pilote et puis ces comités vont pouvoir appuyer les différentes initiatives de nos partenaires et aussi vont se faire jumeler avec des familles nouvellement arrivées au sein des écoles de ces deux conseils scolaires. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un projet pilote et notre objectif, c'est de l'étendre dans tout Ottawa et le reste de la province également. Mais pour cela, on a besoin de la collaboration de tout le monde, des références des familles d'accueil. Les comités sont mis en place, mais il nous reste des références de familles d'accueil. Donc, on va compter sur votre collaboration et votre soutien pour démontrer le besoin et l'utilité de ce projet pour aller l'étendre sur le reste de la province. Donc, c'était ma petite information de ce soir. Donc, avant de passer la parole à notre animatrice, je vais vous juste faire une petite reconnaissance de territoire. Donc, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeure présentement. Nous tenons d'abord à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires depuis ces temps immémoriaux et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, je vais donner la parole à Clotilde Yepsé. Clotilde est coordonnatrice provinciale du projet VIH-SIDA, sensibilisation des communautés ethno-culturelles et habite à Cornwall. Elle est aussi bénévole dans le milieu communautaire, coordonnatrice de projet et consultante en immigration, ayant travaillé dans le passé comme agente d'accueil et d'intégration au service des nouveaux arrivants. Elle est membre des conseils d'école de ses enfants et participe aux activités des parents partenaires en éducation depuis 3 ans. Comme parent engagé, elle aime contribuer à la réussite de ses enfants dans la communauté en utilisant des ressources de PPE pour l'appuyer dans son rôle de parent et de premier éducateur. Donc, Clotilde, on est bien heureux de t'avoir avec nous ce soir. Et je te cède la parole. Merci beaucoup, Malguissa. Je suis émue de t'entendre. Je suis juste l'enfant devant mes grands qui sont là. Donc, je serai juste un parent aussi ce soir, pas un expert, mais une animatrice, juste quelqu'un qui dirige la parole et qui permet que les choses se passent à tour de rôle. Comme disait Balguissa, moi aussi, l'éducation de mes enfants est vraiment d'une importance capitale pour moi. Et ça est un plaisir pour moi de lire le thème et de dire, ah, il y a encore des ressources. Nous tous, nous pouvons, en tant qu'immigrants, nous connaissons tous que ce n'est pas facile l'intégration de nos enfants dans des milieux scolaires. Et on ne peut pas faire comme si, il n'y avait rien. Donc, c'est un plaisir pour les parents qui sont présents ce soir de recevoir ce qui viendra de nos commissions, conseils scolaires, des organisations, des associations, parce que c'est toujours bien d'avoir l'information. Et quand une situation arrive, tu sauras comment la gérer. Mais quand tu n'as pas l'information, parfois tu es frustré, l'enfant est frustré et tu ne sais pas comment t'y prendre. Donc, chers parents, nous serions vraiment édifiés ce soir par les différents prestataires qui sont là. Et sans plus tarder, vu que le temps est, je dirais, court,
On va commencer. Je ne sais pas s'il y a un ordre précis là, mais je pense que tous sont présents et nous allons commencer directement par le... J'ai pas classé, hein? La première personne qui est juste devant moi, Balguisa, j'espère qu'il n'y a pas un ordre. Oui, juste avant que tu ne les présentes, on avait prévu 5 présentations ce soir, mais Katima, qui est entre deux avions, elle ne sera malheureusement pas disponible pour présenter le CPO. Donc, on va avoir 4 présentateurs avec nous. Donc, oui. M. Ngodi a demandé à passer en premier parce qu'il a un autre entretien à 19h. Il a une rencontre, donc on va commencer par lui. Merci. Effectivement. M. Ngodi, effectivement, c'est pas lui, c'est lui le premier. Donc, malheureusement, Katima ne sera pas là avec nous ce soir. Mais on aura l'occasion d'écouter aussi le CPO une prochaine fois. Donc, nous allons commencer avec le REFPO, qui est le regroupement ethno-culturel des parents francophones de l'Ontario. Juste un instant. Oui, désolé, j'ai eu un petit problème à ma machine. Nous avons le représentant ici, c'est M. Bodhi Goy. J'espère que je n'ai pas très mal prononcé. Oui, tu as très mal prononcé, je suis oh, vexée. Désolée. mon frère, on va arranger ça. Comment est-ce qu'on le prononce? Je te niaise, c'est bon. Ah, ok, super. Merci. Il est récipiendaire du top 25 des immigrants au Canada en 2009. Et l'un des membres fondateurs de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario, CNFO. Bodhi a participé à différentes initiatives et organisations communautaires en Ontario, au sein desquelles il a occupé des postes d'administrateur au cours de ces dernières décennies. Auteur de 6 bandes dessinées, comme outil d'éducation et de sensibilisation à la diversité culturelle canadienne, Bodhi est actuellement conseiller principal chez Boxia, pendant qu'il occupe le poste de directeur général par intérim du REFPO. Bodhi a servi à la circonscription d'Ottawa-Vanier à titre d'adjoint de l'honorable Mona Fortier et spécialiste des dossiers de l'immigration de 2016 à 2020. Et a également travaillé pour le regretté honorable Maurice Bélanger de 2006 à 2009. Waouh, Bodhi! Ça, je dirais qu'il y a tellement que je préfère garder le reste. Parce que c'est tellement long, c'est tellement grand et je te tire un coup de chapeau pour tout ce que tu as déjà fait pour les immigrants et que tu continues à faire. Donc, nous allons écouter la présentation de Bodhi qui... Il a 20 minutes et dans les 20 minutes, il y a la présentation et les questions-réponses. Merci, Bodhi, à toi la parole. Merci beaucoup, Clotilde. Un plaisir. Merci aussi à Balguisa. C'est vrai que j'avais négocié avec Balguisa. J'avais négocié avec elle derrière vos dos, à votre insu. Je dis, laisse-moi passer le premier. Parce que c'est vrai que j'ai une rencontre à 19h, mais je peux passer un truc, peut-être 19h, 5 et 10, par exemple, pour avoir un peu plus de temps avec vous. Nous avons nos employés, mes employés rencontrent le CA, donc il faut quand même que je sois là. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà le REFPO, c'est comme si ça va être un petit rappel seulement. Je parle aux gens qui connaissent déjà le REFPO, mais je ne peux pas commencer cette présentation sans vous demander une minute de silence par rapport au décès de notre directeur général, M. Farhan Hassan, et qui était aussi l'un des fondateurs du REFPO. Il est mort suite aux complications de la COVID de cette année, le 5 juin 2021. Donc, je ne peux pas commencer sans vous demander, s'il vous plaît, une minute de silence. À son honneur.
Merci beaucoup. J'ai passé de 45 à 46. Merci. Alors, si ça ne me dérange pas, s'il n'y a pas d'autre chose, moi, je vais commencer. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est beau? Balguissa, je peux commencer? Excellent. Alors, encore bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir aussi de revoir certains visages que je connais dans la région. Alors, le RECFO, comme Clotilde l'a bien dit, c'est le regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario. Je fais cette présentation rapidement à présent de mon président qui est ici, M. Dibet Carton, qui est aussi l'un des fondateurs du RECFO, il est avec moi. Donc, si je fais des erreurs, je vous dis, on va me taper sur les doigts. Donc, je fasse attention à ce que je dis tout à l'heure. Alors, je vais descendre. Oui. Alors, le RECFO, en fait, si vous voulez, juste une petite histoire, et avant même je vous donne cette histoire, j'en ai parlé encore à mon président pour être sûr de certains détails. C'est toujours important de savoir d'où est venue cette organisation, quelles sont les circonstances qui ont permis à ce qu'il y ait sa création, sa fondation. Alors, pour la petite histoire du RECFO, RECFO a été créé vers les années 1998. Alors, suite à une fermeture, à la fermeture d'une école. L'école s'appelait à l'époque Franco-Sion, vers l'ouest de la ville, en 1998. Alors, cette école était pas mal, si on regarde les communautés noires, il y avait une grande concentration des parents, des jeunes d'origine djibouto-somalienne à l'époque. Alors, donc, lorsque on a fermé cette école par le conseil scolaire, et les parents se sont manifestés, parce que les parents ne voulaient pas que ça soit fermé. Alors, pendant ce brouhaha, les parents ont justement approché quelques représentants de la communauté djibouto-somalienne à l'époque. Et puis, bon, ensemble, ils ont ouvert le cercle aux parents noirs francophones et se sont battus pour que l'école ne se ferme pas. Malheureusement, l'école était fermée. Et puis, les parents se sont dit, bon, écoutez, comme les conseils scolaires ne nous ont pas écoutés, maintenant, ça permet de renforcer nos revendications, d'où nous devons nous organiser dorénavant. Alors, c'est pourquoi nous avons créé le RECFO. 1998, 2000, le RECFO a été incorporé. Alors, bon, depuis ce temps-là, nous sommes présents et je peux dire que ça se passe plutôt bien. Alors, donc, notre mission, vous pouvez voir très rapidement, c'est outiller les parents des communautés noires et ethnoculturelles francophones dans leurs multiples rôles pour le bien-être des enfants. Promouvoir l'entraide et l'égalité pour que les parents, les familles noires puissent se prévaloir des services auxquels elles ont droit. Réaliser le bien-être des familles noires en permettant l'accès à un réseau de soutien, on peut dire ça, des services et des programmes adaptés aux besoins des jeunes, des parents, des personnes aînées et des nouveaux arrivants. Alors, promouvoir une compréhension globale de la santé mentale, parce que nous sommes devenus un centre qui donne la thérapie et le soutien en matière de santé mentale avec le temps. Nous sommes devenus ce centre-là. Alors, dans la santé mentale qui tient compte de conditions sociales, économiques, politiques, familiales, culturelles et psychologiques. Ça veut dire quand même que nous donnons des services culturellement adaptés. Je sais que le programme de nos jours donne ça, mais nous sommes inscrits dans ce principe de donner toujours des services qui sont adaptés culturellement à nos communautés et nos familles. Alors, les programmes de RECFO, nous avons principalement trois programmes, le CREPAN, MMS et le relais santé. Et puis, nous avons aussi d'autres petits programmes qui rentrent ici et là. Vous savez, parfois, il y a des petites subventions hein, de 20 000, de 50 000. Alors, on ne le laisse pas passer non plus. Ça fait toujours des surplus pour que nous puissions servir notre communauté. Alors, dans le CREPAN, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes devenus avec le temps, il y a à peu près 3 ans, un centre de ressources éducatives et communautaires pour les parents. C'est vraiment, ici, là, c'est les parents noirs. C'est sûr que nous desservons aussi les parents ethnoculturels, je dis d'origine maghrébine et autres francophones, mais pour le centre CREPAN, c'est vraiment pour les familles, les jeunes, les enfants et leurs familles noires. Alors, qu'est-ce que le CREPAN mange en hiver? Le CREPAN, ça donne des services de thérapie, donc counseling ou coaching.
Ça peut être individuel ou en groupe. Excusez-moi, il y a une erreur là-bas du coaching, c'est coaching. Alors, on offre aussi les services d'éducation spécialisée. Nous avons pas mal des agents sont en éducation spécialisée. Surtout aussi, nous avons pas mal, je dirais, une collaboration, partenariat avec la cité collégiale qui nous produit pas mal des agents qui sont spécialisés en éducation des enfants et des jeunes. Alors, nous faisons des visites à domicile, tout simplement pour savoir si les familles ont des besoins de nous, les familles qui traversent les divorces, les problèmes des drogues, de leurs jeunes, tout ce qui est autour de la délinquance. Alors, donc, nous visitons aussi les familles si jamais il y a des besoins. Donc, nous sommes là pour leur dire que nous sommes là et puis nous offrons des services. Et c'est aussi d'aiguillage souvent, lorsque nous ne sommes pas en mesure d'offrir quelques services, parce que nous ne donnons pas tout, il y a d'autres services comme les organisations qui donnent d'autres services comme le CESOC, la CEPAP et autres, et puis le CAP, nous aiguillons, nous orientons donc les familles, les jeunes et la communauté auprès d'autres services existants dans la communauté. Donc nous le faisons aussi. Alors, qu'est-ce que pour lorsque ça arrive, vous savez, souvent c'est vers février-mars. Alors, lorsque les gens remplissent leur retour d'impôt, de taxes, donc nous aidons aussi, nous donnons un service gratuit pour appuyer les gens qui ne peuvent pas justement remplir ces formulaires très, très compliqués. Moi, je vous dis que jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à remplir ces formulaires très complexes. Alors, donc moi-même, j'ai besoin des services du RECFO pour remplir les formulaires de taxes et d'impôts. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, deuxième. Voilà. Deuxième programme, MMS. MMS, comme nous l'expliquons entre parenthèses, c'est le mentorat en milieu scolaire. Là, vraiment, nous sommes en plein service auprès de nos jeunes. Dans le milieu scolaire. Alors, dans MMS, qu'est-ce qu'on fait? Nous jumelons des jeunes du secondaire avec ceux de l'élémentaire. Alors, donc, les vieux donnent un peu de leur service, leur expérience, et aussi aident aussi les jeunes dans leurs devoirs. Et aussi, on leur dit aussi de leur prodiguer un peu quelques conseils et qu'ils puissent servir de modèle. Alors, donc, c'est ça que nous faisons. Et donc, d'habitude, nous utilisons les 40 heures de bénévolat des jeunes. Alors, ça nous sert vraiment plutôt bien et ça se passe très bien dans ce service. Troisième service, le relais santé. Relais santé, c'est précisément pour les jeunes de deuxième à sixième année dans l'élémentaire. Et relais santé aussi, non seulement nous faisons de l'aide aux devoirs comme beaucoup d'organismes dans la ville, mais aussi nous prenons un peu de temps pour que les jeunes fassent un peu d'exercice. Alors, parce que il faut leur santé physique est importante pour nous. Alors, donc, nous combinons les deux. Alors, c'est vraiment les trois programmes principaux que nous avons au RECFO, mais nous en avons d'autres, d'autres petits programmes qui nous arrivent de temps à autre. Entre autres, le soutien scolaire au niveau intermédiaire scolaire, secondaire plutôt, entre 7e année et 8e année seulement. C'est-à-dire que si nous appuyons nos jeunes dans les matières comme maths, maths, français et sciences. Alors, nous avons donc les éducateurs qui les suivent, qui les aident là-dessus, qui donnent vraiment cet appui. Un petit programme que nous avons reçu auprès du ministère de l'Éducation et qui fonctionne bien. C'était un truc de 6 mois et ça continue encore un tout petit peu cette année. Sensibilisation sur le système scolaire francophone pour les nouveaux arrivants. Ça, c'est clair. Nous donnons des ateliers aux parents pour leur faire comprendre le système scolaire au Canada, comment ça se passe pour les parents nouveaux arrivants, tout simplement pour leur montrer que c'est vrai, les systèmes sont différents. Là où ils étaient dans leur pays d'origine et au Canada, il y a des choses qui sont différentes. Alors, c'est important justement de les sensibiliser et leur donner des informations nécessaires. Les ateliers d'éducation parentale, pareil, on veut quand même que nous ayons des parents qui soutiennent leurs enfants, qui les suivent dans leur schéma scolaire, parce que nous savons que souvent dans nos pays d'origine, c'est les éducateurs eux-mêmes qui prennent soin de nos enfants. L'enfant va à l'école et puis les parents oublient toute la journée. Et puis bon, les éducateurs jouent un rôle extrêmement important. Mais ici, on sait quand même que le rôle de parent, comme vous savez,
est aussi important et si pas pertinent auprès de leurs enfants. Donc, et puis les statistiques ont prouvé que les jeunes qui sont suivis par leurs parents, soutenus par leurs parents, reçoivent des bonnes notes et donc ils sont aussi soutenus dans leur cheminement même après l'école. Alors, donc, c'est important pour nous de mettre l'accent là-dessus. Nous avons les ateliers d'éducation, comme j'ai dit, et nous avons aussi un partenariat pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa, donc Ottawa Black Mental Health Coalition. Alors, donc, ça aussi, c'est un programme que nous avons, c'est avec les anglophones. Donc, nous, en tant que francophones, nous sommes d'ailleurs la seule agence francophone avec les anglophones à la ville d'Ottawa et qui poussent là-dessus. On voit quand même que les communautés noires, que ce soit francophones ou anglophones, sont plus que déterminées à s'occuper de leurs enjeux, leurs besoins, leurs problèmes. Alors, s'ils ne le font pas, qui d'autre le fera mieux que nous-mêmes? Alors, donc, c'est ça, le réseau est là-dessus. Et je voulais terminer la fin avec nos coordonnées. Donc, nous avons notre adresse, notre téléphone, télécopieur, courriel, Internet pour ceux et celles qui aimeraient justement nous connecter avec nous, nous contacter et communiquer avec nous. Et juste pour vous donner une idée de nos partenaires financiers et partenaires communautaires, nous sommes en majorité, en entièreté, soutenus par le ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Tout à fait normal. Et aussi le ministère des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. C'est vraiment le gouvernement de l'Ontario qui nous appuie fortement dans nos programmes. Alors, donc, nous avons aussi la ville d'Ottawa à travers la coalition des Noirs qui appuie financièrement. Bon, les partenaires communautaires, comme vous savez, la FO, la coalition des Noirs francophones de l'Ontario et puis aussi la coalition, la ville d'Ottawa. La coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa. Il y en a plein d'autres, l'ACFO Ottawa, il y en a plein. Alors, c'est pourquoi j'ai dit etc., etc. Alors, nous voulons aussi renouer le contact avec PPE parce que c'est un de nos anciens partenaires et ça nous fera plaisir de renouer le contact avec PPE. Voilà pour l'ACFO, juste un petit aperçu rapidement de nos services. Merci. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé là. Non, vous dites, merci toi. Merci beaucoup. J'avoue que moi-même, je suis surprise que je n'ai pas encore entendu parler de vous là. Et pourtant, vous offrez de très, très beaux programmes. Généralement, on connaît juste le CESOC et je pense que moi-même, je partagerai vos services parce que vous offrez de très beaux programmes. Avant de poser mes questions, Boudi, il y a une question, Cathy, qui pose la question à savoir si vos services sont seulement disponibles pour Ottawa. Bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné là, au début. Donc, le RECFO est un organisme provincial, mais c'est vrai que nous avons beaucoup développé les services à Ottawa. Toronto donne un tout petit peu, mais c'est, nous, nos satellites à Sudbury et à Windsor n'ont pas encore commencé. Dans le passé, oui, nous avons eu un élan dans le passé, mais c'est sûr que vous savez que fonctionne dans le communautaire, les situations souvent ne sont pas stables. Alors, ça fait près de 20 ans, plus de 20 ans que nous existons. Je pense quand même qu'il y a eu un moment où nos satellites fonctionnaient plus ou moins, mais c'est vrai qu'avec le temps, la concentration est pas mal au niveau d'Ottawa. OK. Je pense qu'on va essayer d'étendre ça, même avec nous ici à Cornwall, avec l'autre association, on va se parler. Il y a une autre question. Cathy, j'espère que tu es satisfaite de ta question. Et si tel n'est pas le cas, je crois que Cathy a posé la suite de sa question, à savoir, est-ce que les services sont disponibles? Oui, Baudy a répondu parce que Cathy demandait si les services sont disponibles pour l'Est de l'Ontario. Et je dis, tu as répondu à la question tout à l'heure. Absolument. Donc Ottawa et l'Est, oui. Absolument. OK. Nous allons aussi prendre... Et c'est des services gratuits, hein, donc c'est important de savoir aussi. C'est vrai que nous recevons des subventions, donc services gratuits. OK, merci beaucoup, Baudy, de préciser que c'est gratuit. Il y a aussi une question, la question de Hortense, qui demande à qui s'adresser quand les élèves veulent faire du bénévolat, parce qu'ils ont des élèves qui ont besoin du bénévolat. À qui s'adresser? Bon,
Moi, je suis toujours le serviteur à tous les niveaux. Hein. Donc, on peut m'appeler, mais nous avons quand même les coordonnées. Les coordonnées sont là, on peut nous écrire par courriel, nous appeler par téléphone. Et puis, juste, on peut demander pour moi ou demander pour la réceptionniste pourra bien guider tous les appels à leur courrier. Et aussi, je suis toujours là aussi à tout moment, donc pour tous les services. Bodhi, s'il te plaît, est-ce que pour faciliter, tu peux juste écrire l'adresse email dans le chat pour que ça soit facile pour ceux qui veulent te contacter de pouvoir prendre facilement. Absolument. Et nous avons aussi... Oui, oui Bodhi, tu voulais parler? Ah, je dis c'est bon, oui, je le fais tout de suite, oui. Ok, d'accord, merci. Nous allons continuer avec les questions. On a monsieur Hassen qui a levé la main. On va lui donner la parole en attendant. Et... Merci Clotilde. Juste très brièvement, Gaudi, est-ce que tu peux nous parler vraiment brièvement du programme MMS, s'il te plaît? Ah, ben l'Omatora, ok, ben, très bien. Quand Hassen voulait poser la question, je me demandais moi-même qu'est-ce que Hassen peut poser comme question, parce que lui, c'est comme s'il dort dans la maison du Réfo, là. Je lui dis, est-ce qu'il veut juste m'embêter ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, dans MMS, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas. C'est basé sur le jumelage entre, comme j'ai dit, les élèves du secondaire et les élèves. Les élèves du secondaire sont comme des mentors et les élèves de l'élémentaire sont comme les mentorés. Alors, donc, les grands frères qui s'occupent de leurs petits frères au niveau d'aide aux devoirs, des pratiques exemplaires et autre chose que nous avons. Dans le gabarit de ce programme-là. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que... Je pourrais sinon t'envoyer le gabarit pour voir tous les services que les jeunes font à partir de mentorat. Mais c'est vraiment, c'est l'exemple qui donne le devoir, les conseils et les pratiques exemplaires. Ouais. Pour effectivement, c'est ça. Mais ça rentre à peu près dans le cadre de donner un bon modèle aux jeunes noirs. Alors, c'est pourquoi pour ne pas aller pas trop loin avec les vieux comme moi, je vais rentrer avec les jeunes d'élémentaire, le gap est trop grand, alors on préfère qu'ils soient avec leurs grands frères du secondaire, eux aussi sont soutenus et outillés par nos éducateurs, donc je vais dire les secondaires, ils sont outillés par nos éducateurs pour leur dire exactement quoi faire et quel type de services et des pratiques exemplaires qu'ils pourraient prodiguer aux plus jeunes. Okay. Merci beaucoup, Bodhi, pour ta question. Je vais profiter pour demander à nos participants la permission de prendre la photo avant que Bodhi ne parte. Parce qu'on sait qu'il va partir d'un moment à l'autre. Nous te disons grandement merci pour cette belle présentation et on va aussi être comme la bouche dans la société, dans la communauté ethnoculturelle et puis on se reparlera, Bodhi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir vos caméras pour quelques petites minutes, ça nous fera plaisir de prendre une photo tous ensemble. Est-ce que tu vois tout le monde sur le même écran? Je vais mettre un peu galerie pour voir, là. Si c'est possible. Oui, je vois avec les... Parfait. Avec les... C'est une caméra fermée. Est-ce que tout le monde est prêt? Je peux y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Oui. C'est prêt pour le sourire, là. C'est beau? Clotilde, ça va? Clotilde, non, Malguisa, ça n'a pas bien pris. Ok. Est-ce que Nathalie peut prendre la photo pour que on... Lévi, s'il te plaît, tu peux aussi prendre. En fait, tu m'as envoyé pour me rassurer que je prends bien, s'il te plaît. Je ne sais pas encore le faire, moi-même. Ok. Une petite minute alors, et puis je vais encore...
Je ne sais pas si Jogi aussi peut le prendre. Généralement, ça me dérange. Bon, une dernière, et puis si ce n'est pas bon, on va dire à Balguissa que nous sommes désolés. Oui, Ariane a pu prendre la photo. Donc on peut continuer et puis je vais le partager. La photo est prise. Oui, la photo est prise. On peut continuer. Je vais Oui, merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup à tout le monde pour les caméras. Merci, Bodhi. D'accord. Nous allons directement passer à notre prochain présentateur de ce soir, Madame Hortense Vemba. J'espère que je prononce bien également. Elle est là. Oui. C'est Hortense Vemba. 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 C'est ça. Okay. Merci. Qui est là pour le CECCE, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Hortense travaille au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en tant que conseillère en engagement communautaire. À la base, sa tâche consiste à être présente sur le terrain pour rencontrer les familles nouvellement arrivées au Canada et les accompagner dans le processus d'inscription. Mais pour Hortense, c'est plus qu'un simple travail, c'est une passion dans laquelle elle se dévoue entièrement. Elle s'assure que chaque famille qui croise son chemin soit bien encadrée et accompagnée afin de s'intégrer rapidement à la culture franco-ontarienne. Elle entretient donc des liens très privilégiés avec les organismes de la région auxquels elle refait régulièrement des familles. Grandement appréciée et respectée de tous, Hortense a d'ailleurs été décernée le tout premier prix du champion de la diversité en janvier 2018. Félicitations. Merci. Ce prix rend hommage à des individus, à des groupes et à des organisations qui favorisent la réussite des immigrantes et des immigrants, l'inclusion et la croissance économique en Ontario. Je dis tout simplement wow. Donc, Hortense va nous donner ce qu'elle a en elle ce soir, pour que, en tant qu'immigrants aussi, partout où nous nous trouvons, nous soyons des ambassadeurs pour orienter les autres vers les sources pour leur bonne intégration. À toi, Florence. Hortense, de plaisir, tu as l'honneur de prendre la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup. Je suis très émue. Bon, en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux, tout comme je vois ici des visages que je connais. Je vois Lévi, j'ai vu Bodhi, et puis je vois Thérèse. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont là. En tout cas, je suis très contente d'être parmi vous ce soir pour vous présenter les programmes et les services offerts dans notre conseil scolaire, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, on essaie toujours d'être très, vraiment, d'accueillir les familles de façon bienveillante et puis, et comme vous l'avez dit, d'accompagner les parents parce que le but, c'est vraiment la réussite scolaire des enfants et puis la bonne intégration de la famille, tout comme des élèves, tout comme de la famille en général. Alors, j'espère que les renseignements que je vais partager avec vous durant la soirée vous seront utiles et pourront aider les familles aussi. Alors, je vais commencer. Si j'essaie de parler du conseil, ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais vraiment essayer de raccourcir le tout. Alors, je vais quand même vous parler, je vais vous donner d'abord un bref aperçu de notre conseil, qui est le plus grand conseil scolaire de langue française hors Québec, et avec un territoire de 24 500 km² s'étendant de la région d'Ottawa jusqu'à Trenton, en passant par Pembroke, Brockville et Kingston.
Alors, le CECCE, donc le Conseil des écoles catholiques du 113, compte près de 26 000 élèves provenant de 110 pays au sein de 45 écoles élémentaires, 13 écoles secondaires. Et puis, avec la pandémie, nous avons le conseil à l'Académie d'apprentissage virtuel. Et puis, on a aussi une école des adultes. Alors, à l'échelle provinciale, en quoi se distingue de notre conseil scolaire? Beaucoup de parents qui viennent, ils veulent que leurs enfants soient parfaitement bilingues, surtout les familles immigrantes. On veut que nos enfants puissent parler, disons, garder le français, mais parler l'anglais parce que, il y a un fait, on est en Ontario, la majorité des personnes ici parlent l'anglais, donc on doit quand même garder la langue. Mais ce qui est bien, c'est que le CC offre l'occasion aux élèves de développer un bilinguisme durable grâce à l'école 100% français et aux cours d'anglais offerts dès la quatrième année primaire. Ceci fait que nos élèves sont parfaitement bilingues et peuvent poursuivre leurs études postsecondaires dans les deux langues officielles du pays. Alors, pour être admis dans nos écoles, il y a trois critères d'admissibilité. Alors, il y a le lieu de résidence, donc il faut habiter dans le territoire du conseil, et puis il y a la langue, le français, et puis il y a la catholicité. Mais pour la catholicité, c'est de la petite enfance, donc les programmes de la petite enfance, des enfants de 3 ans jusqu'en 6e année primaire. À partir de la 7e année, le conseil est ouvert, disons les écoles sont ouvertes à toutes les autres confessions religieuses. Alors, pour le processus d'inscription, vous devez savoir ce que, en 2019, notre conseil se dotait d'un centre d'accueil d'admission francophone à Ottawa. C'est le premier. Dans les écoles anglophones, il y a le Welcome Center. Mais ici à Ottawa, nous avons le centre d'accueil d'admission. Alors, on veut vraiment, d'une façon bienveillante, comme je l'ai dit, accueillir et accompagner les familles et les guider dans le processus d'inscription. Pouvoir leur donner aussi des informations qui vont vraiment les aider par rapport à l'intégration scolaire de l'enfant et même de comprendre le fonctionnement du système scolaire. Parce que vous savez que souvent, nous disons les pays d'où on vient, le fonctionnement du système scolaire est différent. Donc, c'est tout un autre, un nouveau milieu, un nouvel environnement pour les familles. Donc, on essaye à travers ce centre-là de mieux accompagner les familles. Alors, tout comme le personnel enseignant, les directrices, les directeurs, les éducateurs, les éducatrices, et leur mandat, c'est vraiment de savoir accueillir les familles avec, comme je l'ai dit, avec bienveillance et dans un esprit de confiance et de collaboration. Le but, c'est vraiment de créer une équipe entre l'école et la maison, ce qui constitue la base de notre engagement envers les familles, et c'est de la maternelle, mais aussi pour tous les niveaux. Alors, je veux vous parler maintenant des différents programmes qui sont offerts. Il faut savoir qu'au niveau de la petite enfance, on a des programmes au niveau élémentaire, tout comme au niveau secondaire. Alors, les programmes de la petite enfance, on a des services de garde préscolaire. Ils sont offerts dans presque toutes les écoles du CCE par des partenaires francophones. Donc, la majorité, ce sont des partenaires francophones qui sont là. Il y en a des services de garde aussi qui sont offerts par le conseil même. Alors, il y a les services de garde parascolaire, les programmes de services de garde avant et après l'école, surtout pour les parents qui travaillent ou bien qui doivent commencer tôt ou bien qui terminent tard. Des fois, c'est difficile pour eux, alors on a aussi cette option. Il faut savoir, par rapport aux services de garde, c'est vraiment géré par la ville d'Ottawa. Alors, on a quand même des divers programmes préscolaires, tels que les prématernelles, mon atelier pour les enfants de 2 ans et demi. Ça, ce sont des nouveaux programmes. On a le programme pour les enfants de 3 ans, comme on appelle petit pas à 3. Et on a aussi les centres pour enfants et familles, on y va. Ça, c'est le centre pour enfants et familles, on y va. On les retrouve aussi dans les centres communautaires. Mais nous les avons aussi dans nos écoles. On a le programme de maternelle jardin enfant de 4 ans, donc, et jardin pour les enfants de 5 ans.
Et avec la pandémie, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de familles qui ne voulaient pas laisser les enfants aller à l'école en présentiel et même pour virtuellement. Donc, c'était devenu un défi. Donc, alors pour ça aussi, le conseil a mis en place un nouveau mode d'apprentissage qui s'appelle Explorer. Je vais vous citer ça parce que si je vais en profondeur, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais vous mettre, et vous aurez sûrement une période de questions et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Et si les questions, je n'arrive pas à les répondre, vous allez me laisser votre courriel et comme ça, je vais aller chercher des réponses pour vous. Alors, je vous ai dit qu'il y a aussi des programmes spécialisés à l'élémentaire. On a toute une panoplie de programmes. Donc, on veut vraiment que les enfants soient bien motivés à apprendre. Et ces programmes aussi sont offerts par des enseignants passionnés. Ils veulent transmettre leur intérêt dans le but d'accroître l'engagement chez les élèves. On a par exemple l'enseignement personnalisé qui est appuyé en grande partie par les principes de la pédagogie Montessori. Ce programme personnalisé, il est offert dans 3 de nos écoles. Alors, on a par exemple le programme Matisse. Je vais vous donner quelques exemples des programmes spécialisés Matisse, le programme mathématiques, arts, technologie, ingénierie et les sciences qui est aussi offert. On a aussi des programmes de sport études à l'élémentaire, de gymnastique, l'académie de soccer qui sont offerts dans nos écoles et l'académie des habiletés de hockey donc, qui sont offerts aussi dans nos écoles. On a aussi un programme de baccalauréat international aussi au niveau élémentaire dans une de nos écoles qui est au cœur d'Ottawa, qui est au centre-ville. Donc, au niveau secondaire aussi, on a beaucoup de programmes spécialisés comme passion art, expression, danse. On a des différentes concentrations, le baccalauréat international ou bien des programmes de sciences comme à l'école Samuel Genet. On a aussi des programmes d'enrichissement, des programmes focus, majeur haute spécialisation de sport, X, Académie des habiletés hockey, éducation coopérative, le baccalauréat aussi international comme à Franco-Ouest. Donc, on a toute une panoplie de programmes spécialisés aussi au secondaire. Donc, ça aussi, je pourrais vous mettre en lien, vous pouvez regarder tout ce que nous avons comme programme. Alors, comme je vous ai dit, avec l'arrivée de la pandémie, nous avons l'Académie d'apprentissage virtuel depuis septembre 2020. Alors, le programme a d'abord été offert de la maternelle à la 8e année. Et maintenant, dès septembre 2021, ce programme-là, l'Académie d'apprentissage virtuel est offert aussi aux élèves du secondaire. Donc, c'est une belle option d'apprentissage pour les élèves. On veut que nos élèves soient motivés et pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Alors, on a aussi l'éducation des adultes. L'éducation des adultes, pour la formation linguistique des adultes, beaucoup de parents viennent et veulent apprendre l'anglais, ou bien il y en a qui veulent apprendre le français. Donc, l'éducation des adultes leur offre cette option. Même pour les parents qui n'ont pas achevé leur diplôme secondaire, ils ont cette option aussi à l'école des adultes. Et mais aussi les jeunes qui accusent des retards, ils peuvent prendre aussi des cours crédités. Il y a des cours d'été, il y a même les langues internationales pour les élèves de la maternelle jusqu'en 8e année. Et puis, on a aussi des cours crédités, des cours de langues internationales aussi crédités, par exemple en espagnol donc, ou bien en allemand. Donc, on a tous ces programmes-là. On a aussi le bureau international. Dans le bureau international, on donne l'option aussi aux élèves qui sont à l'étranger de venir étudier comme étudiants internationaux. Et avec la pandémie, vous savez que les frontières étaient fermées. Beaucoup de ces élèves-là ne pouvaient pas venir ici au Canada. Mais le conseil, à travers leurs programmes, il leur a donné aussi l'option d'étudier prendre des cours crédités à partir de leur pays d'origine. Donc, on offre ces options-là aussi. Alors, je veux vous parler aussi du programme cadre du ministère de l'Éducation. Il y a le programme ALF, l'actualisation de la langue française, le programme PANA,
Le programme PANA, c'est un programme qui a objectif d'assurer la mise à niveau des compétences de base de l'élève qui accuse des retards parce que, par exemple, ils étaient dans un pays où il y a eu des guerres et ils n'ont pas pu aller à l'école. Donc, ces élèves-là accusent de retard. Donc, le programme PANA, justement, est là, justement, pour aider ces élèves-là. Ou bien des élèves qui ont subi des interruptions dans leur scolarité. Donc, le programme PANA est là aussi, c'est une option. Et les mises à niveau sont mises dans différentes matières, soit en sciences, en mathématiques, en français, ou bien même il y a des cours d'intégration sociale. Alors là, on a le programme ALF. Allô? Oui? Oui, on entend juste une petite pause pour te dire que le temps est... Ok, j'ai presque fini. Oui, c'est une très belle présentation, mais si tu pouvais faire un peu plus l'accent sur l'immigration, sur les immigrants. Oui, c'est ça que je vais faire. Oui. Ok, un petit résumé de deux petites minutes. Oui, le programme, surtout pour les... Mais tous ces programmes-là sont pour les immigrants. Oui, effectivement. Le programme d'appui des nouveaux arrivants. Mais les deux autres programmes dont je voulais vous parler, c'est le programme des travailleurs d'établissement qui sont dans les écoles. Il y a des travailleurs d'établissement qui sont là justement pour offrir un soutien aux élèves, et pas seulement aux élèves, même à leur famille par rapport à leur intégration. Et puis, on a mis aussi un programme de soutien à l'apprentissage, le programme A3. Et ça, c'est depuis l'arrivée des Syriens parce qu'on avait vu que beaucoup de ces enfants-là ne savaient parler ni l'anglais ni le français et qui avaient des difficultés et les parents n'arrivaient pas à les appuyer. Et c'était une façon pour les appuyer. Donc, en bref, c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. C'était la fin de ma présentation. Merci. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de les répondre. Merci beaucoup, Hortense, pour cette belle présentation. Chers participants, s'il y a des questions... Pour vous, on va les prendre rapidement. Balguissa, je ne sais pas si tu vois des questions dans le chat. Moi, je ne les vois pas. Ou bien s'il y a des mains levées, je ne vois pas tout le monde. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Mais okay. On peut prendre le contact de Hortense et puis s'il y a d'autres questions, on peut les... Il y a une main levée de Hassan. Je me permets d'intervenir parce qu'il est juste... Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu, Julienne. Je ne vois pas tout le monde sur l'écran. Donc, Arsène, à toi la parole. Je ne sais pas si c'est l'ancienne, mais c'est la nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Je juste des applaudissements. Ce n'était pas une main levée. Désolé, ce n'est pas grave. Ah, OK. Super. Merci beaucoup. Bon, en temps, nous te disons merci pour ta présentation. Tu peux mettre ton contact dans le chat pour ceux qui auront des questions à te poser après. Pour que... même après, vous puissiez discuter. Merci beaucoup pour cette belle présentation du conseil. Vu le temps qui nous fait courir, nous allons passer directement à Madame Cathy Chaumont. Je prononce bien, j'espère. Madame Cathy Chaumont, qui est du conseil scolaire de district catholique de l'Est de l'Ontario, CSBCEO. Cathy œuvre au sein du CSDCEO depuis 2015 en tant que gestionnaire des services de l'entrepreneuriat et de la liaison commentaire. Elle travaille à créer des partenariats et des collaborations pour bien intégrer et accueillir les nouveaux arrivants. Le CSDCEO est un lieu accueillant et une tradition d'excellence. Auparavant, Cathy travaillait en développement économique communautaire pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire, CLOSM. Depuis les 15 dernières années, elle a travaillé pour mettre au niveau provincial et national, elle a travaillé pour mettre en œuvre des stratégies d'intégration et d'attraction pour les nouveaux arrivants, tant au niveau provincial et national. Elle a aussi fait plusieurs missions économiques à l'étranger pour encourager les francophones à s'installer dans l'Est de l'Ontario. Cathy est une fière franco-ontarienne
et aimerait vous accueillir. Donc, nous sommes là. On a des grosses têtes aujourd'hui qui ont beaucoup fait dans l'immigration. Comme Bodhi, Hortense, on a maintenant Cathy qui a également beaucoup de choses à nous partager ce soir parce que c'est un domaine qu'elle connaît, c'est un domaine qu'elle maîtrise par expérience. Donc, Cathy, tu es la bienvenue et à toi la parole. Tu as 15 minutes, Cathy. Oui, ça ne sera pas long. Merci, Cathy. Bonsoir. C'est un plaisir de te rencontrer virtuellement. On a échangé par courriel, mais on n'a pas eu la chance de se rencontrer. Bonsoir à vous tous. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Oui, je vais vous parler un petit peu des ressources que nous avons, puis de la façon qu'on travaille dans notre région pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Balguissa, je pense que tu vas pouvoir projeter ma présentation. Parfait. Je partage... Merci beaucoup. Vite. Je vais dire si vous voyez tout l'écran. Vous le voyez? Oui. Oui, parfait. Je voudrais juste peut-être mettre la première diapo. Donc, c'est ça, moi, je suis au CSD-CEO, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. On est un conseil scolaire en croissance au niveau des inscriptions. On a plus de 10 000 élèves. On a des centres de la petite enfance. On a 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires. Et comme ma collègue du CE-CCE, on a un programme d'éducation aux adultes. On offre un peu passer à la deuxième, on offre un enseignement basé sur les valeurs catholiques ainsi que notre francophonie et on a aussi un programme de certificat de bilinguisme. On est dans notre région, on est le plus grand réseau d'écoles et aussi dans l'Est ontarien, on est situé dans Prescott Russell, Stormont, Dundas, Glengarry et Cornwall. Et on est le plus grand employeur de notre région. Prochaine diapo. Voici, je sais que c'est un peu petit, j'ai pas réussi à agrandir. Voici la carte de nos 25 écoles et de nos 7 écoles secondaires, mais la carte de notre territoire. On est un territoire majoritairement francophone. On est en région rurale, évidemment. Puis, 70% de notre territoire est agricole. Nous avons par contre quand même des grands centres comme Cornwall avec 46 000 de population, Rockland avec 12 000, Hawkesbury 10 000. Puis ensuite, les écoles sont indiquées. Vous voyez au nord de la carte, là, c'est la rivière des Outaouais. Donc, au nord de la rivière des Outaouais, on longe la province du Québec. Puis complètement à l'est, on est à une heure de Montréal. Et au sud de la carte, vous voyez Cornwall aussi qui longe les bordures de nos voisins américains. Oui, voici une petite vidéo qui va un peu vous résumer nos activités, puis c'est un petit peu notre planification stratégique Innovation 21-25. Ça ne fonctionne pas. Je clique dessus. Non, ça n'a pas fonctionné. Je vais juste recommencer. Je vais continuer, Balguissa, avec ma présentation, si tu veux, pendant que... Oui, je pense que c'est mieux pour gagner en temps. Parfait. Puis si tu réussis de... nous avons plusieurs ressources avec nos partenaires pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Nous avons des processus d'appui aux familles. Nous avons des procédures pour répondre aux demandes venant de la communauté ou des écoles,
des services d'aiguillage vers les services existants, parce qu'on travaille beaucoup avec les organismes et la communauté qui offrent déjà des services pour les nouveaux arrivants. On a des stratégies d'appui aux familles, un peu aussi comme notre collègue du CECCE, le PANA, Programme d'aide d'appui aux nouveaux arrivants. On a plusieurs collaborateurs. Entre autres, nous travaillons aussi avec le CESA. Ils mettent à notre disposition deux agents en établissement qui appuient nos familles et appuient l'intégration. On a la chance d'avoir sur notre territoire une communauté francophone accueillante. C'est un projet financé par le gouvernement fédéral. Il y a 14 communautés francophones accueillantes au Canada, dont deux en Ontario, une à Hawkesbury. Le projet de communauté francophone accueillante nous permet d'offrir de la formation aux nouveaux arrivants, des activités de réseautage, des activités multiculturelles. On a un jardin communautaire multiethnique et autres, j'en passe, mais j'ai mis le lien dans la présentation sur l'information sur la communauté francophone accueillante. Donc, ça bouge vraiment beaucoup pour les nouveaux arrivants, puis il y a plusieurs services et activités. Fait qu'on est très fiers d'avoir une CFA chez nous. On travaille aussi avec le Centre de services des nouveaux arrivants, qui est situé à Cornwall, le News en anglais, mais qui dessert les 5 comtés de l'Est ontarien. Eux aussi offrent une panoplie de services pour les nouveaux arrivants. Puis le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell et tous les autres services d'employabilité sur notre territoire qui ont des services spécifiques et aussi dans certains centres de services à l'emploi, ils ont des agents attitrés pour travailler avec les nouveaux arrivants. Donc, on travaille beaucoup avec tous ces gens-là. On a tout aussi les programmes de sport, études et autres là, qu'ont mentionné le CECCE, mais je voulais comme plutôt mettre l'emphase sur les services que nous offrons aux nouveaux arrivants. Puis avec mon rôle aussi au niveau de liaison communautaire, collaboration et partenariat, je suis toujours à l'affût et à la recherche de services qui pourraient appuyer nos familles, nos élèves et nos écoles, c'est un peu dans mon rôle et mon mandat, donc ça me fait plaisir d'être ici et d'entendre toutes les autres ressources disponibles. Je vais essayer de partager ta vidéo. Oui, bien fait. Voir si ça fonctionne avant. Merci. En attendant, merci beaucoup, Cathy, pour cette belle présentation. Merci. Et ma communauté Cornwall, la communauté accueillante. Et vraiment, comme je l'ai dit, davantage, on va encourager les parents à venir vers vous. Je peux confirmer que beaucoup de parents ont été satisfaits par les services de votre conseil pour avoir travaillé comme agent d'accueil. Donc, continuez juste le bon travail et ensemble, on va aider les nouvelles personnes à mieux s'intégrer. Merci beaucoup, Claudine. C'est apprécié. J'essaie une dernière fois la vidéo. OK, vas-y. Ah, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, désolée, Cathy. Ah, je dis, on aura l'occasion une prochaine fois d'écouter la vidéo. Mais avant de passer à la prochaine personne, est-ce qu'il y a des questions pour Cathy? Vous pouvez juste lever la main ou bien écrire dans le chat. Peut-être comme il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent notre petite communauté de Cornwall. Notre belle communauté. En tout cas, Cathy, moi, je suis là et puis on va ensemble pousser notre communauté. OK, merci encore pour cette belle présentation. Oui, on a la chance de vivre dans une belle communauté, un beau territoire. Oui, un territoire vraiment accueillant. Oui. Et on vous encourage à vous y installer, hein, parce que c'est accueillant.
OK, nous allons passer comme il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a une question? Je vois une question dans le chat. Cathy? Cathy, tu as une question. Est-ce que Cathy peut nous dire, peut nous en dire plus sur le volet entrepreneurial? Je pourrais vous en dire très long. Mais pas beaucoup trop, parce qu'on n'a pas le temps. Pas beaucoup trop, mais ça me ferait plaisir d'avoir une conversation individuelle ou avec vous sur... On a une philosophie et c'est dans nos axes stratégiques. On travaille depuis quelques années à développer l'entrepreneuriat chez nos élèves. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement la création d'une entreprise, mais ça peut l'être. Mais c'est de développer des valeurs entrepreneuriales. On est à mettre sur pied toute une pédagogie entrepreneuriale qui met l'élève au centre de son apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentissage par projet, puis c'est l'élève qui est au cœur. C'est l'élève qui va décider un peu qu'est-ce qu'il aimerait explorer, qu'est-ce qu'il aimerait connaître davantage. Puis les enseignants et les directions et tous les beaux gens qui travaillent avec nos élèves font des liens pour rencontrer... les attentes du curriculum. Donc, un apprentissage par projet où ils peuvent apprendre la mathématique, le français, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de l'apprendre. Fait que c'est un peu ce qu'on développe. On travaille avec des partenaires au niveau national et international pour bien implanter cette pédagogie-là. On a plusieurs de nos écoles qui sont des ESSEC. Un ESSEC, c'est une école communautaire entrepreneuriale consciente. Mais si vous voulez en connaître plus, ça me ferait vraiment plaisir de vous en parler, mais c'est un peu dans notre philosophie, puis dans notre innovation pédagogique en lien avec notre plan stratégique. J'espère que j'ai bien répondu. Je l'espère, en tout cas, je l'espère aussi pour celui qui a posé la question, c'est Pape. Déjà, merci beaucoup, Cathy. Je te propose de mettre ton contact dans le chat pour que des personnes qui auront peut-être des questions ou bien qui voudront en savoir plus puissent communiquer avec vous directement pour avoir plus d'informations. Et oui, il dit que vous avez répondu à sa question, que merci beaucoup. Je vais vous contacter prochainement. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous. Cette belle présentation. OK. Nous allons continuer notre soirée avec le PAF. Le PAF qui est le point d'accueil francophone. Nous aurons le plaisir d'accueillir Julienne Coton. Après une formation en sciences politiques, Julienne arrive au Québec à la recherche d'un avenir meilleur. Mais l'intégration professionnelle n'a pas été facile. Elle décide donc de retourner sur les bancs à l'université et obtient en 2015 un diplôme de second cycle qui lui permettra de décrocher son premier emploi dans un organisme qui vient en aide aux nouveaux arrivants. Julienne est allumée par le désir de donner. Au suivant, elle va continuer jour après jour, à accueillir, informer et orienter les nouveaux arrivants. Immigrants comme elle, qui choisissent de s'établir au Canada. Aujourd'hui, Julienne assure la coordination du point d'accueil francophone, le PAF, nouvel organisme francophone regroupant 10 partenaires francophones de la région. Comme Hortense, Baudy, Cathy, nous avons Julienne qui a également beaucoup de connaissances dans le domaine de l'immigration et qui augmentera nos outils ce soir pour faciliter l'intégration des immigrants. Merci Julienne de prendre la parole. Nous avons le plaisir de t'accueillir ce soir. Est-ce que Julienne est là? Je suis là, Clotilde. Merci beaucoup. Okay. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Hein. Merci pour les belles présentations de mes collègues qui m'ont précédé. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur des attentes de la salle ou bien
des collègues qui sont autour de la table. Donc, je m'appelle Julienne Coton. En fait, je suis la coordonnatrice du point d'accueil francophone qui est le PAF. Le PAF, en fait, c'est un regroupement de 10 partenaires francophones autour de la table. En fait, il y a certains partenaires autour de la table qui ont décidé d'offrir sous le même toit des services afin de faciliter le parcours ou le cheminement de migrants francophones qui choisissent de s'installer dans la région d'Ottawa. Alors, nous, on est vraiment très, très... c'est un projet récent. On est là depuis... on a fait notre lancement officiel le 26 mars 2021. Donc, c'est vraiment un an. Et on va sur notre deuxième année. Et autour de ce projet-là, de ce projet commun, je peux dire commun et collectif, il y a 10 partenaires. Donc, il y a les conseils scolaires. Je vais commencer par le pré-départ qui s'occupe de... En fait, maintenant, on appelle ça la connexion francophone via le pré-départ, qui s'occupe d'informer les nouveaux arrivants qui sont encore dans leur pays d'origine, qui siègent autour de la table du PAF. Son objectif, en fait, c'est d'informer et d'accompagner les nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada ou précisément à Ottawa. Par la suite, on a les deux organismes d'établissement dont vous avez cité tout à l'heure. Il y a le CESOC et le CS Vanier qui siègent aussi autour de la table du PAF et qui sont là pour le volet établissement. Donc, quand le nouvel arrivant arrive à la porte du PAF, nous l'accueillons et ensuite nous le référons vers les deux partenaires d'établissement, donc le CESOC et Vanier. Nous avons autour de cette table du PAF donc d'autres partenaires comme les deux conseils scolaires. Donc, pourtant, c'est là aujourd'hui, il y a Katima qui n'est pas là. Donc, les deux conseils scolaires sont aussi là pour l'accompagnement des familles. Vous savez, on arrive, on a nos enfants et souvent, on ne comprend pas le système parce qu'on vient d'un autre système et heureusement qu'il y a les conseils scolaires pour nous accompagner, pour accompagner nos parents à mieux comprendre le fonctionnement du système scolaire. Et aussi, il y a des ateliers que ces partenaires donnent aussi aux parents immigrants, même ceux qui sont en dehors du pays, pour les préparer, pour préparer leur arrivée, leur intégration et l'accompagnement des enfants dans le système scolaire. En dehors de ça, nous avons deux organismes qui s'occupent de la formation pour adultes. Donc, il y a la Cité collégiale que vous connaissez aussi et le Centre Moi J'apprends. Donc, le PAF, en fait, offre ses services non seulement aux partenaires qui sont à Ottawa, mais on couvre la grande région d'Ottawa avec les différents partenaires, comme le Centre Moi J'apprends, qui a des bureaux un peu partout autour d'Ottawa. Et on a MF Media qui s'occupe. Donc, si vous aviez des stagiaires qui sont dans le domaine journalistique et qui veulent avoir une expertise ou faire leur stage au sein d'un organisme communautaire qui s'occupe des médias, il y a MF Media que vous connaissez qui est également autour de la table du PAF. Donc, tous ces partenaires-là sont là pour accueillir et permettre à l'immigrant francophone de s'intégrer vraiment facilement, économiquement et socialement. Moi, je dis souvent, l'intégration professionnelle, on ne peut pas dissocier l'intégration professionnelle avec l'intégration sociale. Les deux vont de pair parce que quand on est socialement établi et que les enfants sont à l'école et qu'on trouve notre place socialement, l'intégration professionnelle se fait vraiment tranquillement. Donc, les deux vont de pair, l'intégration sociale et professionnelle, pour mieux nous intégrer et puis aussi contribuer. Parce que quand on s'intègre socialement dans une société ou dans une collectivité, on a le plaisir d'offrir aussi à ceux qui arrivent. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, j'ai le plaisir d'offrir au suivant. Donc, parce que tout un cheminement qu'on fait quand on arrive en tant qu'immigrant, une fois qu'on a cette expérience-là, c'est aussi intéressant pour nous de partager pour les nouveaux parents ou encore les nouveaux arrivants qui arrivent à Ottawa ou même ailleurs. En dehors de ça, je pense qu'il y a les partenaires qui interviennent dans le domaine de l'immigration, comme la Société économique de l'Ontario et le CCO qui est dans le domaine d'entrepreneuriat. Donc, tout ce beau monde-là est composé de deux comités, dont le comité opérationnel qui est là vraiment pour suivre les opérations du PAF mois par mois, mensuellement, voir comment on avance pour pouvoir atteindre les objectifs de IRCC. Et en même temps, il y a le comité de direction qui est là pour nous chapeauter et puis nous remettre aussi en rail quand il y a des difficultés ou bien des situations à améliorer. Donc, voilà, je vais faire un résumé de nos partenaires et je laisse les questions ouvertes parce qu'on est vraiment un bébé naissant. Donc, je pense que vous avez beaucoup de questions autour de la table et je serai heureuse d'apporter les éléments de réponse à vos questions. Toutefois, s'il en manque, je sais que Hortense autour de la table et pourra également compléter si j'ai besoin d'un coup de main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julienne, pour cette belle présentation. C'est toujours un plaisir pour ceux qui ne connaissaient pas le PAF de connaître qu'actuellement, il y a un point d'accueil francophone.
qui est comme quand tu arrives au point d'accueil francophone, tu es sûr qu'on va t'orienter vers le service qu'il faut pour toi. Donc, c'est vraiment bien pensé. Je dirais que c'est un point focal pour les immigrants et où ils seront vraiment satisfaits. Donc, avant de continuer à donner mon commentaire, j'aimerais savoir s'il y a des questions pour Julienne. Est-ce que vous voyez des mains? Je ne vois pas tout le monde. Oui, je crois que je vois une question dans le chat. Le PAF. Oui, Julienne, une question pour toi. Le PAF est-il en partenariat aussi avec l'ACUFC? Déjà, je ne sais pas ce qu'il veut dire, ACUFC. C'était ça, je voulais d'abord poser la question. Ouais. Là, c'est UFC, Josiane. Oui, c'est Jean qui a posé la question. En fait, c'est l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Parce qu'ils ont également un programme un volet concernant les nouveaux arrivants, comme programme arrivé et après arrivé, comme quoi ils accompagnent les nouveaux arrivants dans le sens de l'orientation pour les études, pas pour l'insertion professionnelle, mais ils accompagnent les nouveaux arrivants qui passent par ce canal-là. C'est pour ça que j'ai posé la question. Alors, moi, je vais répondre. En fait, le PAF, on n'est pas partenaire avec eux, mais ça nous fera plaisir parce que l'objectif du PAF, c'est de pouvoir créer d'autres partenariats. Autour du PAF, il y a 10 partenaires, en fait, fondateurs. Moi, je dis, c'est vraiment la base, les 10 partenaires qui sont autour de la table, qui ont pensé le PAF et réfléchir pour offrir des services personnalisés et adaptés aux immigrants francophones. Toutefois, nous continuons constamment à développer des partenariats avec d'autres organismes autour dans la région, la grande région d'Ottawa, pour diversifier nos services ou les ateliers qu'on offre à nos nouveaux arrivants. Cependant, nous n'avons pas de partenariat avec cet organisme-là, mais il nous fera plaisir de rencontrer les responsables pour pouvoir discuter la possibilité peut-être de collaborer, de voir comment est-ce qu'on peut guider les nouveaux arrivants. Parce que notre objectif, en fait, c'est la satisfaction du client qui passe par là. Oui. C'est l'arrivant qui arrive. C'est bien qu'on ait, Julienne, si jamais c'est quelque chose que vous envisagez, ça ne me dérangerait pas de servir d'intermédiaire. Parfait, Josiane, je mettrai mes coordonnées à la fin de la présentation ou encore à la fin de la présentation, dans le pire des cas, Babichal. Ok, c'est correct. D'accord. Merci, Josiane, pour ta question. Merci, Julienne, pour ta réponse. Julienne, tu as une autre question de Lévi qui demande si est-ce que le PAF travaille avec les parents individuellement ou collectivement? Alors, le PAF, en fait, comme je vous disais, il y a les partenaires qui sont dans le milieu, dans le domaine de l'éducation, comme les deux conseils scolaires, qui ont la possibilité, parce qu'au PAF, on a un bureau rotatif qui permet aux deux conseils scolaires de venir rencontrer les parents donc, ou les familles. Quand il y a des parents qui arrivent et qui ont besoin d'orienter leurs enfants vers le système scolaire, s'ils ont déjà fait le choix ou s'ils n'ont pas encore fait, nous le référons aux deux conseils scolaires. Donc, collectivement, oui, on peut les servir via les ateliers que les deux conseils scolaires offrent sur la plateforme du PAF parce que nous donnons continuellement les ateliers aux thèmes variés pour pouvoir satisfaire en fait les besoins de ces immigrants-là. Mais on ne donne pas, on ne dessert pas directement les familles. Nous, on est là pour informer et orienter. On réfère vers les partenaires qui sont autour de la table, que ce soit les 10 partenaires clés ou encore d'autres partenaires. D'ailleurs, on travaille aussi avec les organismes anglophones parce qu'on se rend compte que les francophones qui viennent ont également besoin d'apprendre l'anglais ou de s'améliorer en anglais. Donc, d'où l'importance pour le PAP de ne pas simplement se limiter à offrir les services francophones, mais l'importance aussi, c'est de tenir compte des besoins de ces immigrants-là et de les référer vers les partenaires anglophones comme le YMCA pour faire l'évaluation linguistique et au besoin suivre les cours d'anglais. Merci beaucoup, Julienne. J'espère que Lévi est satisfait de sa question. Et nous avons un commentaire de Aude qui dit que c'est un noble projet d'accompagner les nouveaux arrivants depuis leur pays d'origine. Merci, Aude.
Et nous avons une autre question pour toi, Cathy. Julie, Julien, c'est la question de Cathy. Tu as beaucoup de questions, hein? C'est Cathy pas grave, on a nouveau donc il y a la curiosité, c'est bon. Cathy dit que dans la région de Cornwall, il y a une famille nouvellement arrivée qui cherche le logement. Elle aimerait savoir si vous aidez aussi dans ce sens. Alors, Cathy, merci pour la question. Effectivement, si la personne est à Cornwall, vous pouvez toujours, je donnerai les coordonnées de mes deux collègues qui s'occupent de l'accueil et des nouveaux arrivants. Nous pouvons, Cornwall, c'est, je ne sais pas si on a vraiment un partenaire là-bas, mais je sais que nous travaillons avec Action Logement, qui est un des partenaires qui vient également, qui travaille avec nous. Ce n'est pas un partenaire fondateur, mais c'est aussi un partenaire avec lequel on travaille et on réfère les nouveaux arrivants dans le besoin. Donc, vous pouvez toujours, je vais laisser mes coordonnées et il y a ma collègue Mariama qui va s'occuper de contacter cette famille-là et voir quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider avec les partenaires autour de la table. Merci. Oui, merci beaucoup. Julienne, je précise aussi qu'il y a le PAR qui est aussi là, qui aide de Cathy se soucie de notre communauté. Merci Cathy. C'est toujours bien d'avoir plein de ressources. Nous avons, Cathy, c'est correct, j'espère. Si quelqu'un veut encore des éléments de réponse, il peut juste réécrire dans le chat ou bien lever la main et poser sa question. OK, Cathy dit que c'est parfait. Nous avons Aude qui a posé une question. Oui, Aude, je vais juste faire remonter ta question. Aude demande, je ne vois pas le début. Voilà. Aude demande comment se fait cet accompagnement dans la réalité avec les personnes depuis leur pays d'origine. Alors, Aude, c'est une très bonne question. Comme je disais tout à l'heure, on a un partenaire qui s'appelle Connexion Francophone via le pré-départ, donc AIDE, Action Interculturelle, qui est un partenaire fondateur du PAF. Donc, ce partenaire-là a des bureaux. Je prends par exemple en Afrique du Nord, ils ont des bureaux fixes qui sont là-bas et la plupart des gens qui viennent qui proviennent de l'Afrique du Nord reçoivent les services déjà par rapport au bureau et quand ils ont déjà leur UIC, il y a pré-départ qui va les référer au PAF et puis le PAF va donc prendre le temps de voir quels sont les besoins de ces clients-là et voir aussi s'ils vont arriver à Ottawa parce que on va servir et accompagner les immigrants qui sont à Ottawa, mais ceux qui sont, par exemple, qui veulent aller dans d'autres provinces ou dans d'autres régions, le PAF va les orienter vers les partenaires qui sont dans d'autres régions. On a également on a des médias sociaux, on a le PIFI, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est là. En fait, on a un agent qui s'occupe des communautés numériques. Donc, la plupart du temps, via aussi ces communautés numériques, il y a des échanges qui se font avec l'international, que ce soit en Afrique noire ou ailleurs, par rapport à ces clients-là qui ont des projets ou qui ont déjà entamé leur processus d'immigration. Dans ce cas, notre employé de communauté numérique va les référer directement au pré-départ pour que pré-départ s'assure que le cheminement ou encore ils sont dans le bon processus. Et par la suite, une fois qu'ils ont leur UIC, l'activité, en fait, le pré-départ nous les réfère et nous traitons les dossiers en fonction des besoins et nous les référons. Merci beaucoup, Julienne. Je ne vois plus de questions dans le chat. Si nous n'avons plus de questions, on va tout simplement te dire merci pour cette belle présentation. Et une petite précision, comme vous savez, le PAF est ouvert là. Maintenant, pendant la pandémie, nous étions tous fermés. Certains de vos bureaux aussi étaient fermés, mais depuis le 13 du mois de septembre, nous sommes ouverts au public. Il suffit de nous appeler. Moi, j'ai mis mes coordonnées ici, donc j'ai également mis mon courriel. Vous nous appelez, il y a l'agent d'accueil qui est là, qui va prendre le contact avec les nouveaux arrivants qui sont à Ottawa ou dans la grande région d'Ottawa. Si ces nouveaux arrivants veulent passer au PAF pour non seulement nous rencontrer, visiter nos locaux et profiter des services des partenaires qui sont sur place, ils seront les bienvenus et bien accueillis. Merci. Là, j'arrête. Merci, non, c'est correct. Merci beaucoup, Julienne. Ça valait la peine que tu fasses cette précision. Et juste te rassurer que tu as mis tes coordonnées dans le chat parce que je balade là, mais je ne vois pas. Oui, ils sont sur le chat. OK, super. On pourra donc te contacter plus tard.
Je dis merci, un grand, grand merci à nos participants pour leur attention. Comme moi, je sais qu'ils ont beaucoup appris ce soir. Et je dis merci à tous nos présentateurs, Bodhi, Hortense, Cathy et Julienne. Je passe la parole à Balgisa, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire pour la fin. À toi, Balgisa. Merci à toi, Claudile. C'est toujours un plaisir de co-animer avec toi. Merci. Donc, tu as dit merci, merci à tout le monde, sauf à toi-même. Et moi, je te dis merci. Merci beaucoup. Et un grand merci à nos présentateurs, vraiment, qui ont accepté l'invitation de venir partager leurs ressources. Et je suis convaincue, comme Clotilde, que ça sert beaucoup à nous et aux parents immigrants. Et ça va vraiment nous outiller pour leur intégration. Donc, moi, je vais mettre aussi un lien d'évaluation de cette soirée. Je vais vous inviter à nous donner vos commentaires, vos rétroactions. Ça nous permet de nous améliorer tout le temps. Donc, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Et aussi, on fait un sondage à chaque début de mois. L'heureux gagnant peut avoir $50. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Merci à nos parents d'être toujours là, de nous soutenir dans nos activités, dans nos initiatives. C'est super bien apprécié. Et je sais qu'ensemble, on va pouvoir bâtir de belles choses pour notre communauté et pour les parents immigrants. Donc, on a respecté notre temps. Il est 8h-3. Je pensais qu'on allait déborder, mais on a fait tout ça comme des pros. Merci tout le monde et je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous revoir bientôt et puis de faire une autre activité avec vous. Merci. Juste avant, Julienne, il y a Béatrice qui dit dans le chat qu'on ne voit pas ton email. Est-ce que tu peux remettre tes contacts dans le chat, s'il te plaît? Effectivement, je vais remettre ça, mais je vois ici que j'ai mis ça. Ben, je vais rajouter ça. Remets, s'il te plaît. Ouais. Et aussi, Balgisa, on ne voit pas encore le lien pour le sondage. Tu vas nous envoyer par mail? Non, j'ai mis... OK. Elle a vu, je le vois. Oui. D'accord. Juste se rassurer que personne ne rate rien. Alors, peut-être pour finir, juste vous mentionner qu'on organise un événement aussi le 11. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? J'ai l'impression que Julienne vérifie, voit si ton message, tu l'envoies à tout le monde. Ou tu envoies seulement à quelqu'un, parce que dans le tout le monde, on ne voit pas. OK, parfait. Balgisa, okay. Est-ce que tu l'as par hasard? Parce que je pense que c'est ton nom que je vois. Donc, je vais essayer de regarder si je peux voir. Je peux l'envoyer. OK. Je vais prendre ton email. Est-ce que tu l'as reçu là, toi ou pas? Je pense que oui. Oui. Parfait. Merci, Béatrice, pour la précision. Elle a envoyé à Balgisa seule. Qu'il avait déjà. Justement, Balgisa met le lien pour le sondage, on ne l'a pas dans le chat. Je voyais même le blog de Cathy, mais je cherchais une certaine Julienne, je ne voyais rien, je suis désolée. Et puis, je me suis dit régulièrement, quand on ne change pas, on est dans tout le monde et qu'on précise, on envoie à quelqu'un seul, alors les autres ne peuvent pas le voir. Tu peux penser à vous envoyer à tout le monde alors que tu l'as envoyé à une seule personne. J'ai renvoyé à tout le monde. Oui. Donc, une dernière information pour clore la soirée, c'est le 11 novembre, nous organisons un forum parents où nous allons avoir un invité spécial qui va parler d'éducation inclusive pour les parents immigrants. Et puis, quelques parents immigrants vont avoir la chance de partager leur réalité, de partager des gestes d'inclusion qui ont été posés à leur égard. Et puis, on va tous les soutenir comme on peut dans leur intégration.